35% des pesticides utilisés dans la cacaoculture ivoirienne est d'origine frauduleuse. Les résidus de pesticides non homologués conduisent souvent au rejet des produits d'exportation tels que le cacao. Autre conséquence, la nappe phréatique et l'environnement peuvent être pollués par les pesticides frauduleux non homologués. Au plan économique, cette fraude sur les pesticides entraîne un déséquilibre financier des firmes et sociétés de pesticides régulièrement reconnues par l'État. Enfin, parce que non homologués et de contrefaçon, ces pesticides constituent une grave menace pour la santé des populations. Cette situation risque de s'aggraver si des mesures vigoureuses ne sont pas prises par le gouvernement. Selon M. Siluye Nyeneyeri, le non-respect des normes expose les 5 pays producteurs de cacao, à savoir Cameroun, Nigeria, Ghana, Togo et Côte d'Ivoire, à l'interdiction de leurs produits aux marchés internationaux. Il y a des produits un peu partout qui ne répondent pas justement à la législation ivoirienne. Donc nous sommes venus à Yamoussoukro pour nous retrouver, échanger et donc mettre en place une stratégie commune pour toute l'administration de Côte d'Ivoire pour lutter ensemble et efficacement contre les produits frauduleux. Le ministère de l'Agriculture a donc organisé un atelier de formation au profit des responsables de l'administration. Ce sont une centaine de hauts responsables de la douane, de la police, du commerce, de l'immigration, de la défense nationale et de la protection des végétaux qui ont participé à cette rencontre. L'objectif visé par cet atelier de formation est de renforcer les capacités de ces responsables afin de mieux lutter contre la fraude et les contrefaçons, l'élimination des pesticides périmés ou interdits.